Bonjour tout le monde et bienvenue à cette entrevue en direct pour l'activité d'exploration « Je m'oriente en live » proposée par l'organisme Jeunes Explo, stage d'un jour. On est très heureux à Jeunes Explo de vous offrir cette opportunité d'exploration-là à vous les jeunes à la maison pour vous permettre de vous éclairer par rapport à votre choix scolaire et professionnel. Je me présente, mon nom est Audrey-Anne Cloutier-Côté, je suis chargée de projet à l'organisme et c'est moi aujourd'hui qui aura le privilège d'animer cette entrevue bien spéciale avec vous. Donc comme vous le savez, les jeunes cette semaine, c'est la semaine thématique de la justice. Et puis, on est très heureux, honorés d'accueillir aujourd'hui Dr. Yann Dazé, qui est pathologiste judiciaire. Bonjour, Dr. Dazé. Bonjour. Bien, tout d'abord, un énorme merci d'avoir accepté l'invitation. On est vraiment très heureux de vous accueillir, surtout que les professions en médecine, ça reste un domaine très populaire auprès des jeunes là, qui s'inscrivent à chaque année à Jeunes Explo. Alors, on a hâte d'en apprendre davantage. Avant de commencer l'entrevue, je tiens à spécifier pour les jeunes à l'écoute, si jamais vous avez des questions pour Dr. Dazé, simplement les écrire en commentaire là, sous la vidéo et pendant l'entrevue, bien, on tentera d'y répondre. Alors, Dr. Dazé, on est curieux de savoir pourquoi est-ce que vous avez accepté notre invitation? Pourquoi c'est important pour vous de vous adresser à la jeunesse aujourd'hui? En fait, c'est très simple. J'adore ce que je fais. J'adore mon métier. Je pratique un beau métier, mais un métier qui est peut-être un peu mal connu, ou du moins on pense qu'on connaît mon métier parce qu'on le voit souvent à la télévision, dans des émissions de séries policières, à la CSI et compagnie. Mais en fait, ce que je fais comme travail, ça diffère quand même passablement de la réalité, diffère passablement de la fiction. Et j'ai toujours aimé transmettre puis expliquer en fait ce que je faisais aux jeunes qui me suivent et qui seraient intéressés à emprunter le même chemin que moi. Donc, c'est vraiment naturel pour moi de prendre un peu de temps pour participer à votre activité puis essayer d'aider les jeunes à mieux comprendre mon parcours puis en quoi consiste mon métier. Tout à fait. Donc, je m'inclus là-dedans. On est tous très curieux d'en apprendre davantage là, sur votre quotidien parce qu'effectivement, c'est une profession là, qu'on peut voir dans les émissions de CSI, et etc., dans les livres policiers aussi, on peut l'aborder. Donc là, ça va vraiment permettre d'explorer puis de comprendre un peu mieux votre réalité. J'aimerais qu'on parle un peu de votre environnement de travail. Donc, vous travaillez présentement pour le ministère de la Sécurité publique du Québec. Ça peut être surprenant qu'ils embauchent notamment des médecins à ce ministère-là. Je vous laisse nous expliquer en fait votre réalité. Oui, ben en fait, le ministère de la Sécurité publique au Québec, quand on pense à ce ministère-là, on pense surtout aux pompiers, aux policiers, donc vraiment des gens là, qui sont en première ligne, des premiers intervenants. On pense aux centres de détention également. Donc, mais on pense un petit peu moins à l'arrière-plan, aux personnes qui travaillent un peu plus dans l'ombre des enquêtes policières, donc dont font partie les professionnels puis les techniciens du laboratoire de sciences judiciaires et de médecine légale. Moi, c'est pour cette organisation-là que je travaille. Donc, au laboratoire, on est une unité autonome de service, donc on est une organisation au ministère et on fournit des services scientifiques en appui à la justice, puis en appui au coroner et au corps de police du Québec. Donc, c'est dans cet esprit-là que je m'inscris, que je pratique mon travail de pathologie judiciaire pour aider les policiers et les coronaires à résoudre des décès, des morts violentes, ce genre de choses. J'ai déjà une question qui me vient en tête. Est-ce que chaque enquête, chaque décès nécessite une analyse justement dans votre département ou c'est pas toujours le cas? Non, c'est une bonne question. Effectivement, c'est vraiment pas toujours le cas. Je vous dirais que c'est peut-être le cas dans à peu près 10 à 15% des dossiers de coronaires au Québec. La façon dont ça fonctionne, c'est que ben, au laboratoire, on traite surtout avec des morts violentes. Finalement, des choses pas toujours roses. Mais en arrière de ça, il y a toujours un coroner qui fait une investigation, puis la police qui l'aide également. Mais il y a peut-être 4 à 5 000 dossiers de coroner à chaque année, donc 4 à 5 000 décès qui sont investigués par le coroner. Au laboratoire, on procède environ à 500 autopsies. Donc, vous voyez que c'est quand même une minorité des cas. Pourquoi est-ce que c'est comme ça? C'est parce qu'au laboratoire, les pathologistes sont vraiment des experts en lésions traumatiques. Donc, on se penche sur les cas, si on veut, les plus compliqués, les décès les plus mystérieux jusqu'à un certain point, les plus compliqués, les morts les plus violentes. Et on met vraiment notre expertise à ce profil-là, alors que les morts plus naturelles, généralement, vont être autopsiées par des pathologistes qui travaillent à l'hôpital. Et puis, si on parle dans le concret, là, à quoi ça ressemble une journée type dans vos fonctions?
Bien, c'est ça qui est beau avec, avec mon métier, c'est que oui, on peut parler d'une journée type, mais il y a quand même, chaque jour ne se ressemble pas. Aujourd'hui, c'est différent d'hier, puis ça va être différent de demain également, mais en règle générale, donc, on arrive au bureau entre de bonne heure le matin quand même, on commence quand même assez tôt, là, je vous dirais entre 7 et 8 heures le matin, on arrive au bureau. Et on commence la journée généralement avec une réunion entre pathologistes. Donc, on regarde les cas, on examine les cas qui ont été demandés en autopsie au laboratoire par les coronaires. On va se partager là, les cas qu'on accepte en autopsie au laboratoire, donc entre les pathologistes. On est une équipe actuellement de 4 pathologistes judiciaires au laboratoire, puis on couvre l'ensemble de la province. Fait que des fois, on fait des autopsies sur des décès qui sont survenus à Montréal, mais ça peut aller aussi loin que dans le Grand Nord, par exemple à Coudjouac, à cette île. Donc, les corps nous sont transportés ici à Montréal. Donc, après la réunion, bien, on procède aux autopsies. Généralement, ça prend une bonne partie de l'avant-midi. Dans les cas plus compliqués, ça peut prendre la journée au complet même à procéder à l'autopsie. Et quand le pathologiste, à ce moment-là, a terminé, bien, il va travailler sur les dossiers pour lesquels l'autopsie a déjà été réalisée, mais qu'il faut terminer finalement. Parce que c'est beau de faire une autopsie, mais l'autopsie vient avec un rapport. Il faut l'écrire, ce rapport-là, mm-hmm. C'est le travail du pathologiste. Et également, outre l'autopsie, bien, il va y avoir différentes analyses que le pathologiste va demander qui vont lui permettre de mener à bien son travail puis de conclure sur la cause du décès de la personne sur laquelle il travaille. Donc, ça, on peut parler d'analyse toxicologique, d'analyse génétique, ce genre de choses. Donc, ça aussi, ça prend un peu de temps dans une journée, finaliser les dossiers en cours. Et bien, sinon, il y a une bonne partie de notre travail aussi qui représente le témoignage à la cour. Donc, on est reconnu comme des témoins experts là, dans notre domaine, dans notre champ d'expertise en pathologie judiciaire. Et on peut être amené à les témoigner en cours dans des dossiers, par exemple, dans des dossiers de meurtre. C'est pas rare dans les dossiers de meurtre qu'il y a un pathologiste qui va aller témoigner pour expliquer au tribunal de quoi la personne est morte. Pour vous donner un exemple, la semaine prochaine, j'ai 3 présences à la cour. Donc, je ferai pas beaucoup d'autopsie cette semaine-là. Je vais être souvent au tribunal, mais ça fait partie du travail. Donc, une journée type, ça ressemble à ça. Et puis, est-ce que ça fait partie finalement des journées types? Est-ce que c'est quand même fréquent là, justement d'aller devant les tribunaux ou c'est dans des cas vraiment exceptionnels? Non, mais heureusement ou malheureusement, dépendamment de comment on voit ça, c'est pas si fréquent que ça. Je vous dirais que grosso modo, on témoigne dans à peu près la moitié de nos dossiers de meurtre. Plus un petit pourcentage d'autres dossiers, par exemple des délits de fuite mortels ou des cas de mort suspecte ou de négligence. Mais donc, grosso modo, bon an, mal an, on témoigne environ une quinzaine de fois en cours. Donc, tu sais, sur plus de 250 jours de travail, on s'entend que c'est pas vraiment pas la majorité du temps où on se retrouve à la cour. Par contre, les dossiers pour lesquels on témoigne, bien, ça demande quand même beaucoup de travail, ça demande beaucoup de préparation. Il faut revoir le dossier au préalable, évidemment, pour bien expliquer. Des fois, il faut revoir des articles scientifiques pour se remettre à jour aussi. Donc, ça, c'est un petit pourcentage en termes de nombre de journées que ça implique, mais c'est quand même c'est un travail qui est important et pour lequel il faut consacrer beaucoup de temps. Tout à fait. Vous avez mentionné qu'habituellement, c'est les corps qui vous sont faits parvenir là, à vos bureaux. Est-ce que ça arrive aussi que vous soyez amené à voyager puis à vous déplacer? C'est plus rare, c'est vraiment plus rare. Et ça, c'est une des grosses différences peut-être avec ce qu'on voit dans la fiction, dans les séries télévisées. Dans ce genre de série-là, hein, on voit le pathologiste qui se déplace, qui va sur la scène de crime, qui analyse le corps déjà sur la scène de crime. Des fois même, c'est presque s'il ne fait pas l'autopsie sur la scène de crime, c'est vraiment très exagéré, ben, du moins pour le Québec. Au Québec, là, donc le pathologiste, vraiment son travail, c'est à l'intérieur d'un bureau, c'est dans une salle d'autopsie, c'est vraiment, on ne fait pas beaucoup de travail de terrain, donc on ne se déplace pas souvent sur les scènes de crime. Je vous dirais qu'on en couvre peut-être entre 5 et 10 scènes de crime par année. Puis quel genre de scènes de crime on va couvrir? Bien, essentiellement, c'est pour récupérer des corps qui vont être mal conservés, qui vont être décomposés, qui vont être à l'état squelettique ou qui vont être, par exemple, calcinés, des corps dans des incendies. Donc, quand les corps sont vraiment mal conservés, qu'ils sont rendus fragiles par leur état, les policiers peuvent nous appeler pour qu'on aille les aider finalement à examiner le corps et à les déplacer, à les récupérer finalement sans entraîner plus de dommages que ce que les circonstances ont amené. Fait que c'est vraiment très rare qu'on fasse ça, comme je le dis, hein, 5 à 10 fois par année, c'est vraiment pas très fréquent, mais ça arrive quand même. Puis c'est suffisamment rare pour qu'on soit toujours vraiment content d'y aller. Tu sais, ça change la routine finalement.
Donc, c'est un beau parallèle justement avec ce qu'on voit à la télé, au cinéma. Donc, ça fait pas partie là, des tâches quotidiennes d'aller directement sur les lieux du crime. Habituellement, c'est plus au laboratoire que ça se passe à ce moment-là. Exactement. Je vais enchaîner ici avec une question de Laurence qui se demande s'il y a beaucoup de perspectives d'emploi dans votre domaine là, comme pathologiste judiciaire. C'est une excellente question. Donc, j'ai mentionné plus tôt qu'on était 4 pathologistes judiciaires au Québec. Actuellement, il y a de la place pour 5. Donc, vous voyez qu'il n'y a pas énormément de demandes. Il n'y a pas beaucoup de place comme pathologiste judiciaire au Québec. Ceci dit, il y a beaucoup de pathologistes qui ne sont pas judiciaires au Québec. Il y en a près de 250. C'est ce qu'on appelle donc des anatomopathologistes. Okay. Parce que moi, ma spécialité, en fait, c'est une sur-spécialité. Je suis sur-spécialisé, mais ma spécialité de base, c'est l'anatomopathologie. L'anatomopathologiste, donc, c'est une discipline de laboratoire en hôpital. Vous ne le verrez jamais, le pathologiste, il travaille dans des labos et puis il fait des diagnostics sur des tissus ou des organes de personnes vivantes. Par exemple, quelqu'un qui se fera enlever un organe pour un cancer, là, c'est le pathologiste qui va analyser l'organe pour dire au chirurgien ou dire à l'oncologue, la personne, le médecin qui traite le patient, finalement, va dire, voilà, c'est un cancer de tel type. Qui est étendu à tel pourcentage, etc. Donc, c'est une discipline de diagnostic. On traite personne, on rend des diagnostics sur l'examen qu'on fait des tissus. Et ça, il y en a quand même pas mal. Puis, il y a beaucoup de perspectives d'emploi parce que c'est pas une discipline qui est très populaire ou qui est très choisie, si on veut, pour des raisons assez évidentes. Généralement, quand les gens vont en médecine, quand les étudiants en médecine donc commencent leurs études, ils veulent soigner, hein, ils veulent voir des gens, ils veulent sauver des vies finalement. La pathologie, c'est pas nécessairement la première spécialité à laquelle on pense, donc il y a pas beaucoup de demandes. Ça, il y a beaucoup de perspectives d'emploi. La pathologie judiciaire au Québec, il y en a pas mal moins. Par contre, il y a des besoins dans d'autres provinces au Canada. Il y a énormément de besoins aux États-Unis également. Mais à ce moment-là, évidemment, faut être prêt à travailler en anglais, puis faut être prêt à s'expatrier. Et puis autrement, si on parle du domaine de la médecine en général, parce que pour exercer votre travail, vous avez quand même fait le parcours pour les études en médecine. Je vous laisse nous expliquer en fait qu'est-ce que ça prend là, comme bagage scolaire pour exercer comme médecin. Oui. Bien, en fait, c'est des longues études. Les études en médecine, on le sait, mais je pense qu'on ne se rend pas toujours compte à quel point c'est long. Du moins, moi, je ne m'en rendais pas compte. C'est vraiment très long. Donc, après le secondaire, on finit le secondaire généralement à 17 ans. On va rentrer au cégep. Donc, on va rentrer au cégep dans un programme de général. Donc, c'est un cégep, c'est 2 années de cégep, soit en sciences de la nature ou en sciences de la santé. À mon époque, il y avait seulement les sciences de la nature comme programme. Les sciences de la santé n'existaient pas. Mais c'est les deux programmes dans lesquels on peut rentrer pour éventuellement arriver en médecine. Donc, vous allez faire 2 ans de cégep. Et après ça, vous allez appliquer sur un poste. Vous allez faire une demande d'admission pour un poste d'un doctorat en médecine. Il y a quatre facultés de médecine au Québec. Il y a McGill, Sherbrooke, Laval à Québec et l'Université de Montréal. Donc, vous devez être accepté dans un de ces quatre programmes-là. Puis, comme vous le savez probablement, c'est des programmes qui sont contingentés. Hein. On ne rentre pas qui veut en médecine. Ça demande des prérequis très particuliers, en particulier la cote R. Ça demande une très haute cote R. Donc, il faut avoir des bonnes notes. Il faut se démarquer de son groupe au cégep. Il faut être très performant. Et là, on a des chances de rentrer. Mais c'est pas garanti non plus. Il faut faire un processus. Un coup qu'on est en médecine, par contre, qu'on est accepté, à ce moment-là, c'est à peu près 10 années d'études universitaires. Donc, il y a les 5 premières années, c'est le doctorat en médecine comme tel. Ces 5 années-là se séparent en 2. Les 3 premières années, c'est ce qu'on appelle le préclinique. Donc, c'est des cours essentiellement. Là, c'est vraiment plus des cours didactiques ou dans des amphithéâtres, ce genre de choses-là. Quoique, il y a de plus en plus, ça change un petit peu. Il y a de plus en plus d'approches par problème, des cours en petits groupes. Mais donc, c'est 3 premières années plus de cours. Et les 2 années suivantes, c'est ce qu'on appelle l'externat. Donc là, on n'est plus en cours, on n'est plus à l'université comme telle, on est dans les hôpitaux, puis on fait des stages pendant 2 ans. Un coup que ces 5 années-là sont terminées, on gradue, on a notre doctorat en médecine. C'est le fun, mais on ne peut rien faire encore avec ça. Même si on a le MD, les titres de doctorat en médecine, il faut passer par un programme de résidence, c'est obligatoire. Donc, le programme de résidence, c'est une spécialité finalement. Vous pouvez aller soit en médecine de famille, qui est une spécialité généralement de 2 ans, ou vous pouvez aller dans un autre programme de spécialité. Il y a, je pense, au plus de 70 programmes de spécialité au Québec qui sont reconnus. Fait que,
Il y en a pour tous les goûts, mais les autres programmes de spécialité que la médecine familiale, bien, généralement, c'est 5 ans. Puis dans certains programmes, c'est même plus que ça. Fait que moi, par exemple, l'anatomopathologie, bien, c'est 5 années. C'est 5 années de résidence, 5 années de spécialisation, donc en pathologie. Fait qu'au bout de la ligne, c'est hein, doctorat en médecine 5 ans, la résidence 2 à 5 ans. Fait que c'est entre 7 et 10 ans d'études universitaires. Puis après ça, là, on peut commencer à pratiquer. Sauf dans certains cas particuliers comme le mien, après ma résidence de 5 ans, il a fallu que je fasse une formation complémentaire, une surspécialisation, donc d'un an, une année de plus de stage pour obtenir mon diplôme de pathologie judiciaire. Donc, c'est vraiment de très longues études, donc c'est 11 ans d'études universitaires. Ça paraît assez long. Par contre, dans ce que vous expliquez, c'est qu'il y a quand même le volet assez pratique ou à même la formation à l'université. On est amené là, justement à travailler directement dans les hôpitaux puis à explorer les différentes spécialités. Donc, est-ce que vous seriez à l'aise de dire que ça passe quand même vite parce que c'est quand même concret là au niveau de la formation? Oui, absolument. En ce sens-là, effectivement, donc ça passe plus vite parce qu'on n'est pas 11 ans... assis sur une chaise dans une université. Hein. Rapidement, effectivement, on va rentrer dans les hôpitaux, on va commencer à voir des patients, on va faire des stages, évidemment. C'est comme d'apprendre à marcher, finalement. C'est les responsabilités vont nous incomber progressivement. Le cursus est bâti en fonction de, on sait qu'on part de zéro, et on part vraiment de zéro, et progressivement, on va être amené à devenir un médecin compétent en côtoyant des gens, en côtoyant des patients, en soignant des gens, avec de plus en plus de responsabilités. Et donc, effectivement, ça passe vite dans ce sens-là. Et ce qu'il y a de beau aussi dans le cursus de formation, c'est qu'on n'est pas obligé de se décider à savoir ce qu'on va devenir comme spécialiste dès le premier jour, loin de là. Parce que, évidemment, au début, on a des cours. On a des cours dans à peu près toutes les spécialités. Puis ensuite, bien, pendant l'externat, on a des stages. Il y a des stages qui sont obligatoires, mais il y a des stages à option également. Donc, si on a, par exemple, un intérêt en chirurgie, ça tombe bien, il y a un stage obligatoire de 2 mois en chirurgie à l'externat. Fait que vous allez le faire, puis vous allez être à même de vous rendre compte avant de faire le choix de la résidence, de la spécialité, si vous aimez ça ou non. Si vous êtes intéressé, par exemple, à aller bien, justement en pathologie, il n'y avait pas de stage obligatoire en pathologie à l'externat. J'ai pris un stage à option. J'ai fait 1 mois en pathologie, en stage à option, puis je me suis rendu compte, bien, finalement, j'aime ça. J'ai appliqué, j'ai été pris dans le programme de résidence, puis j'ai pu poursuivre par la suite. Donc, on peut toucher à un peu de tout, puis ça nous donne du temps de réfléchir puis de voir qu'est-ce qu'on aime vraiment. Parce que j'ai certains de mes amis qui sont rentrés en médecine pour faire une discipline X, puis finalement, ils ont fini par faire complètement autre chose parce qu'ils se sont rendus compte que finalement, avec les stages, bien, c'était autre chose qui les intéressait. C'est vraiment quand on est confronté au monde concret que ça devient justement plus facile de faire un choix. Et dans votre cas, qu'est-ce qui vous a encouragé à poursuivre en cette voie-là là, pour devenir pathologiste judiciaire? Bien, d'une part, j'aimais toucher à tout. Le pathologiste touche un peu à tout parce qu'il touche à tous les systèmes du corps. On se limite pas juste au cœur comme un cardiologue, on se limite pas juste au poumon comme un pneumologue. C'est très bien pour ces gens-là parce que c'est ce qu'ils veulent faire. Moi, j'aimais toucher un peu à tout. Je voulais pas me limiter à un seul système du corps. Donc, le pathologiste touche vraiment à tout. Ça, c'est intéressant. L'autre gros avantage également, c'est que comme discipline de laboratoire, ben, c'est des horaires qui sont plus stables. C'est des horaires qui sont 2 jours, 5 jours par semaine. On travaille très, très peu, voire pas beaucoup, pas du tout le soir ou la fin de semaine. Donc, tu sais, pour un médecin, c'est quand même, ça a une certaine valeur d'être capable. C'est rare, effectivement. Donc, de se permettre d'avoir une belle qualité de vie, des horaires de travail réguliers, raisonnables, avec une bonne conciliation avec la famille, les amis. Donc, moi, c'est important pour ça, cet équilibre-là dans ma vie. Puis également, ben, c'est... Puis au final, c'est le diagnostic aussi. Donc, on a le pathologiste a un rôle, même s'il est très, très méconnu, il a un rôle tellement important dans le système parce que c'est lui qui va rendre un diagnostic. Les gens vont se faire traiter, vont subir des traitements lourds de cancer sur la base du diagnostic que moi, je vais rendre comme pathologiste. Donc, c'est une grosse responsabilité, mais c'est tellement valorisant. Mais comme pathologiste judiciaire, évidemment, les diagnostics que je rends, c'est pour des gens qui sont morts, ça n'a plus d'impact pour eux, mais ça a des impacts pour le système, ça a surtout des impacts pour les familles. Parce que les familles de ces gens-là qui sont décédés veulent avoir des réponses, veulent comprendre ce qui s'est passé, peu importe ce qui s'est passé, puis je contribue à ce moment-là à leur amener des réponses, puis c'est très valorisant. En termes de défis au quotidien, il y avait la question ici de Jasmine qui se demandait si votre travail avait un impact important
sur votre vie personnelle, votre vie privée, parce que je veux pas, comme vous dites, vous avez quand même de lourdes responsabilités puis un devoir envers ces familles-là qui sont peut-être en attente diagnostique. Comment est-ce que vous vivez ça au quotidien? Bien, je vous dirais, bien, d'une part, au niveau de la charge de travail, c'est vraiment raisonnable. C'est très raisonnable. On ne se tourne pas les pouces, mais on ne travaille pas comme des fous non plus à se tuer à la tâche, si on veut. Donc, c'est une charge de travail qui est vraiment très raisonnable. Pour ça, le ministère de la Sécurité publique, le laboratoire de sciences judiciaires et médecine légale, on est bien organisé, on a des bons outils, on a un bon milieu de travail. C'est un beau milieu pour travailler. Donc, ça, c'est important pour avoir une vie, effectivement, une vie personnelle équilibrée. Ceci dit, évidemment, les dossiers qu'on traite, bien, c'est des dossiers qui sont souvent délicats. Oui, on pourrait penser que ça peut avoir un impact sur notre vie personnelle. Traiter des cas très médiatisés, des morts violentes, des gens qui sont morts dans des circonstances horribles. Mais il faut comprendre également que ça reste un travail, puis c'est un peu comme ça qu'il faut le voir. Oui. Donc, moi, de la façon dont je le vois, c'est je vais apporter des réponses aux familles, c'est important. Mais ceci dit, c'est un travail d'abord et avant tout. Les gens qui sont morts sont morts. Ceux sur lesquels je travaille ne souffrent plus. Et donc, au moins, on peut passer donc à l'autre étape pour apporter des réponses. Et ça nous permet donc, tout en restant sensible aux douleurs des familles, ça nous permet donc de mettre une distance. C'est important, cette distance-là professionnelle entre ce que je vois dans mon travail puis le reste de ma vie personnelle. Et c'est, je vous dirais que tous les gens avec qui je travaille sont très bien capables de mettre cette distance-là, puis on n'est pas influencé, si on veut, négativement par ce qu'on voit dans notre travail. Évidemment, ça vient, pour certains d'entre nous, on a une drôle de vision de l'humanité, hein, parce que jusqu'à un certain point, on voit des fois ce qu'il y a de pire dans l'être humain. Mais au bout de la ligne, ça nous influence pas, ça n'impacte pas négativement notre qualité de vie, absolument. Et j'imagine que cette distance-là, oui, c'est votre réalité comme pathologiste judiciaire, mais ça doit être important aussi pour quelqu'un, par exemple un médecin en pédiatrie, où il doit traiter justement des jeunes patients. Il faut quand même avoir cette distance-là là, pour ne pas trop prendre sur nos épaules et se protéger d'une certaine façon. Vous avez tout à fait raison, effectivement. Donc, c'est se protéger. Et protéger le patient aussi. À l'hôpital, on parle de patients, moi je parle de victimes parce qu'elles sont décédées, mais ça va dans les deux sens parce que si je suis trop affecté dans mon travail, si le pédiatre, vous avez un bon exemple, si le pédiatre qui traite des enfants qui souffrent, qui sont malades, est trop affecté par ces états-là, ces drames-là, finalement, il sera plus capable de mieux faire son travail. Donc, la distance professionnelle est importante. C'est un juste équilibre à rechercher entre s'investir dans son travail mais garder quand même une saine distance pour nous permettre de le faire, ce travail-là, de le faire de manière compétente et diligente. Il y a une autre question ici de la part de Patrick qui revient un peu sur la question de la formation. En fait, quand un étudiant en médecine fait sa résidence, donc de ces deux dernières années, si j'ai bien compris, est-ce que ces années-là sont rémunérées parce que c'est quand même un travail qui est fait en milieu hospitalier ou c'est comme à titre de bénévolat? C'est une excellente question. Je n'ai pas pensé en parler, mais c'est tout à fait pertinent. Quand on parle de 7 à 10 années d'études universitaires, ce n'est pas 7 à 10 ans de bénévolat, effectivement. Okay. Pendant les études, le doctorat en médecine, ça, c'est entièrement, on n'est pas rémunéré pendant ce temps-là. Évidemment, pendant le préclinique où on a des cours à l'université, bien, c'est comme n'importe quel baccalauréat finalement. C'est l'équivalent de 90 crédits d'un baccalauréat, donc on paie des frais de scolarité. On n'est pas payé, il faut travailler l'été. Et pendant l'externat, là, on fait des stages. Oui, on aide dans le réseau, mais on est encore considéré comme des étudiants. On paye encore des frais et on n'est toujours pas rémunéré. Par contre, quand on commence la résidence, oui, là, on commence à être rémunéré. À mon époque, là, donc on remonte via 11 ans, 10-15 ans, on commençait à 35 000 $ par année, puis on finissait, après 5 ans de résidence, pour les spécialités que c'est 5 ans, on finissait à 50 000 $ par année. Évidemment, j'imagine que ça a augmenté depuis ce temps-là, mais donc on a un salaire qui nous permet de bien vivre, puis de commencer évidemment notre vie d'adulte finalement, de s'acheter une maison par exemple, s'acheter une voiture, voyager, donc on est payé pendant ce temps-là, mais pas les 5 premières années. Ça peut être rassurant pour quelques-uns, effectivement. Oui, sinon, si on parle des défis au quotidien, est-ce que ça arrive que vous n'êtes pas en mesure d'identifier les causes de décès puis les diagnostics en soi? Comment ça se passe, ce volet-là de votre travail?
Oui, c'est une bonne question. Ce qu'on voit dans les séries télévisées, c'est que le pathologiste trouve toujours les réponses. Hein. Ils sont donc bons dans les séries télévisées. Puis ils trouvent les réponses en 42 minutes, hein, même à une heure avec les pauses, 42 minutes d'émission. Ils sont vraiment rapides. La réalité, ce n'est pas tout à fait ça. Je vous dirais que plus souvent qu'autrement, quand même, là, dans plus de 80 % des cas, on est capable de trouver des réponses. On est capable de déterminer la cause du décès. L'autopsie, essentiellement, c'est un examen du corps. C'est un examen qui est très poussé. Hein. On va ouvrir le corps, on va aller examiner les organes. C'est vraiment quelque chose, c'est un acte de diagnostic qui est très, très poussé. Mais comme n'importe quel examen en médecine, il y a des limites à cet examen-là. Et il y a des choses que l'autopsie ne peut pas voir. Je ne peux pas vraiment rentrer dans les détails, mais oui, dans un certain pourcentage de cas, on n'est pas capable de déterminer la cause du décès. Ou bien parce que c'est une cause de décès qui ne laisse pas de traces comme telle à l'autopsie, ça arrive. Hein? L'autopsie est très bonne dans tout ce qui est maladie qu'on voit à l'œil nu, mais quand c'est des désordres qui sont plus fonctionnels, ou par exemple électriques, par exemple l'épilepsie, hein, ça ne se voit pas comme tel, ça se voit avec des machines, mais quand on est mort, le cerveau ne fonctionne plus. Donc, il y a un certain nombre de maladies qu'on ne voit pas à l'autopsie. Puis des fois, ben, c'est tout simplement l'état du corps qui ne nous permet plus de déterminer la cause du décès. Si on retrouve un corps en forêt et que le corps est à l'état squelettique parce que la personne est décédée depuis longtemps, ben, j'ai juste les os sur lesquels me baser pour faire mon expertise. Si la personne est morte d'une crise cardiaque pendant qu'elle faisait une randonnée toute seule en forêt, on la retrouve 2 ans plus tard, ben, évidemment, ses os ne me diront pas qu'elle a fait une crise cardiaque. Le cœur n'est plus présent, donc je ne peux plus déterminer la cause du décès. Donc, effectivement, il y a des limites et on n'est pas toujours capable d'apporter des réponses. Et puis, si on parle des outils au quotidien que vous pouvez utiliser là, pour faciliter cette analyse-là en autopsie, en laboratoire, à quoi est-ce qu'on peut s'attendre comme outil? Ça ressemble pas mal plus à ce qu'on voit dans les séries télévisées. Fait que pendant l'autopsie, ben, c'est des outils de chirurgien finalement. Hein? On a des bistouris, des scalpels pour couper les tissus, pour ouvrir les corps, des ciseaux, des pinces, puis des scies, des couteaux. Donc, pour être capable de faire notre travail de dissection, d'aller examiner les organes. Suite à ça, bien, à l'autopsie, on fait des prélèvements, puis on des biopsies finalement pour pouvoir les examiner au microscope parce que souvent les maladies, on n'est pas capable de les diagnostiquer vraiment juste avec nos yeux. On va être capable de les diagnostiquer au microscope. C'est vraiment l'examen des cellules microscopiques qui nous permet de poser le diagnostic. Donc, je vous dirais que l'outil principal de travail du pathologiste, c'est le microscope. Et c'est pour ça d'ailleurs que la formation est si longue. Donc, j'ai parlé de 5 ans d'études en anatomopathologie. C'est pas juste parce qu'on étudie tous les systèmes du corps, c'est que c'est 5 années où on apprend à examiner le corps humain d'une manière dont on ne l'a jamais vu. On n'est pas exposé à ça comme étudiant en médecine, on n'est pas exposé à ça dans nos cours de biologie au secondaire ou très, très peu. Mais l'examen au microscope, c'est un autre monde complètement. Donc, ces 5 années-là, c'est le temps que ça prend pour être capable de reconnaître ce qui est normal au microscope au niveau des organes puis ce qui n'est pas normal, les maladies finalement. Fait que ça, c'est vraiment l'outil principal. Puis sinon, ben, en terminant, il y a les outils radiologiques qui sont de plus en plus employés en pathologie. On parle souvent de l'autopsie virtuelle ou de la virtopsie. Donc, passer un cadavre dans un scan pour être capable d'aller avec des images radiologiques faire des diagnostics. Ça fait déjà quelques années que ça existe et c'est de plus en plus présent. On n'a pas encore ce genre de technologie-là au laboratoire, mais ça ne saurait tarder. Vraiment intéressant. Donc, justement, la place des technologies, j'imagine que ça va faciliter de plus en plus là, votre travail. Puis, définitivement. Oui. Ça reste un gros plus également, puisque je trouve très pertinent pour les jeunes qui sont à la maison, qui auraient peut-être un intérêt, oui, pour la médecine, mais aussi pour le travail de laboratoire. Mais c'est quand même une belle jonction là, entre les deux, qui est votre travail. Là, donc, ça peut être une belle alternative pour les jeunes qui voudraient se diriger en ce sens-là. Absolument. Et en terminant, parce que je vois que l'entrevue passe extrêmement vite, c'est vraiment intéressant. Quelles seraient, selon vous, les qualités requises, les compétences requises pour exercer votre travail et plus généralement pour exercer à titre de médecin? Bien, d'une part, évidemment, il faut être prêt, comme je l'ai dit, à investir plusieurs années de sa vie dans des études qui sont longues, qui ne sont pas faciles. C'est peut-être pas aussi difficile que ce qu'on peut penser. Moi, j'ai toujours trouvé que mes études en médecine, c'était pas si pire que ça, finalement, qu'on m'avait mis ça pire que ce que c'était. C'est pas nécessairement facile, mais quant à moi, je pense qu'il n'y a pas de programme d'études nécessairement facile, mais il faut quand même investir beaucoup de temps. Donc, il faut être prêt à faire de très longues études. Il faut être prêt, donc, à s'investir dans ces études. Il faut être consciencieux, il faut être minutieux, il faut être appliqué. Il faut être capable de se concentrer pendant de longues heures. Mais d'abord et avant tout, je pense, pour exercer mon métier, il faut être curieux. Il faut vraiment être curieux. Parce qu'au bout de la ligne, le pathologiste, il résout une énigme. Il va solutionner un problème. Ça peut être de quoi cette personne-là est morte,
comme dans mon cas, à l'hôpital, ça va être de quoi cette personne le souffre, de quel cancer. Il y a toujours un problème à résoudre, donc il faut être curieux. Puis on a le nez dans nos livres bien souvent. Donc, il ne faut pas avoir peur d'étudier, il ne faut pas que les études nous rebutent. Si c'est ça, ben, il faut penser à faire autre chose définitivement parce qu'il y a beaucoup de lectures, il y a beaucoup d'études en arrière de notre travail. Mais donc, c'est ça, il faut vraiment être curieux, vouloir aller trouver des réponses pour les gens finalement, pour la collectivité, pour la communauté. Super. Bien, en fait, sur ces derniers éléments, c'est ce qui met fin à notre entrevue d'aujourd'hui. Vraiment, un énorme merci, Dr. Dazim, pour votre temps. Ça a été un privilège de vous recevoir puis d'en apprendre davantage sur votre quotidien. J'espère qu'à la maison, ça a pu vous éclairer par rapport à votre choix scolaire et professionnel et que ça vous a permis là, justement d'explorer un domaine de la médecine qui est peut-être un peu plus méconnu et de démystifier évidemment certains présupposés stéréotypes entre la réalité puis ce qu'on voit dans nos séries télé. Alors, là-dessus, Dr. Dazé, un énorme merci. Et puis, les jeunes à la maison, puis on se revoit pour une prochaine entrevue. Bonne journée.